Donc on est sur l'exploitation de la troisième génération qui avait mes grands-parents avant, ensuite mes parents, et aujourd'hui je suis en société, donc Gaigues, la Grande Métairie à Villeneuve. La principale production c'est laitière, donc on a des vaches laitières, et puis un petit peu de céréales. Donc nous livrons notre production laitière à la laiterie de Servoz qui s'appelle Bongrain, c'est le fromage braise bleu, où ils nous demandent quand même une qualité de lait assez importante. Il faut une très bonne qualité. Et depuis qu'on est équipé de l'activateur d'eau de chez Oséal, on a remarqué quand même qu'on a un suivi au niveau des résultats assez régulier. Avant, on avait un peu des dentilles, la qualité du lait avait tendance à changer un peu. Et là, depuis quelques mois, on s'aperçoit qu'on est assez régulier. Les leucocytes ne bougent pas, la matière grasse se tient assez bien, le taux protéique aussi. Et on a remarqué quand même que sur le troupeau, on a une augmentation de lait un petit peu plus importante que d'autres années. On a facilement un litre et demi de plus. Et souvent, ça changeait aux périodes de saison où elles n'allaient plus sur l'herbe, où on passait à la ration. Et ben, des fois, ça avait tendance à descendre un peu plus par saccade. Et aujourd'hui, on voit que le lait tient quand même plus facilement. Au niveau manipulation des animaux, elles sont beaucoup, beaucoup plus calmes qu'auparavant. Avant, quand on avait tendance à en vouloir en prendre une, à la reprendre contre nous pour faire quelque chose dessus, et ben automatiquement elles avaient tendance à se sauver un peu. Aujourd'hui elles sont très très calmes, on peut s'en approcher, elles ne bougent pas, parfait. Donc voilà, depuis qu'on a monté l'activateur, on a remarqué qu'on avait un bidon beaucoup plus propre qu'avant, parce qu'avant on avait une pierre de lait, donc c'est le dépôt de lait. Et à chaque fois, on frottait avec une éponge et un petit peu de lessive pour pouvoir enlever cette pierre. Et depuis qu'on a l'activateur, eh bien, on s'aperçoit qu'à force de le rincer puis de le remettre à l'envers, il égoutte tout simplement et on n'a plus cette pierre de lait. Donc là, ça fait une dizaine de mois qu'on tourne avec et on s'aperçoit qu'on a un bidon très propre. Donc auparavant, quand on avait toujours un petit dépôt d'algues, ça faisait une petite couche verdâtre qui était tout autour de l'abreuvoir, mais qui n'empêchait pas du tout les bêtes de boire. Et depuis qu'on a l'activateur d'eau, eh bien, on s'est aperçu que l'algue est partie, elle n'y est plus du tout, et l'eau est beaucoup plus saine, beaucoup plus propre, et on trouve que les animaux boivent davantage quand même sur une eau aussi propre que ça. La consistance d'un fromage n'est pas du tout, n'est pas pareil, quoi. Il est un peu plus ferme, il se tient mieux, il a un meilleur aspect, et au niveau goût, je trouve quand même qu'il y a un autre goût, un goût un peu plus doux, peut-être un petit peu moins acide, très onctueux, très... Un fromage qui a quand même changé, mais en bien. Donc avec l'activateur d'eau de la société Oséal, on reste dans une démarche écologique parce que ça ne fonctionne pas à l'électricité et on n'a pas de rejet d'eau à l'égout. Et en définitive, eh ben, je ne regrette pas du tout cet investissement.